premier tour de roue avec la ligne. Donc là on constate que je vais pas assez vite encore. Il faudrait que j'ai une démultiplication plus forte entre le rotor et le moteur, de manière à ce que le rotor tourne beaucoup plus vite pour un courant consommé plus faible au niveau du moteur, parce que là j'ai un courant de folie quoi. Donc voilà. Bon, ce qui se passe, c'est quand on est à basse vitesse, quand on court-circuite le moteur qui est en montée en générateur, on a une chute de régime et une augmentation du courant. En revanche, ce qui se passe, c'est dès qu'on atteint des vitesses plus conséquentes, dès que je court-circuite la sortie, on n'obtient pratiquement plus du tout de variation de courant d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, la charge, en fonction de avec l'augmentation de vitesse, la charge n'a quasiment plus d'incidence sur le courant d'entrée. Et donc la vitesse ne semble pas chuter non plus à l'oreille. Voilà, donc c'est le but de la manœuvre, hein. Mon concept est le suivant. C'est-à-dire qu'avec la vitesse va produire une charge, enfin, je veux dire une force d'entrée supplémentaire. À suivre.